retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est du unboxing diamond painting avec la boutique DIY Shoes. Voilà, ils m'ont demandé de vous présenter des articles de leur boutique, donc j'ai choisi 4 articles dans leur boutique à vous présenter. Donc, je vais vous les montrer aujourd'hui. Donc, comme d'habitude, je vous mettrai tous les liens nécessaires, liens de la boutique et les liens des articles que je vais vous présenter en barre d'infos. Alors, je vais vous montrer le premier kit. La fille qui arrive. Alors, le premier, c'est un kit carré, il fait 40 sur 40, avec des perles rondes, voilà, en chapelet. Donc, on a toujours le petit kit. Alors, on a 24 couleurs, donc c'est un kit plein. Donc, je vais vous montrer les couleurs, voilà. Bleu foncé, du bleu clair. Du marron, du orange, du beige, du jaune, un autre jaune, un beige plus clair, du bleu, du rose, un peu de noir, du violet. Et encore violet. Un marron clair, un marron plus clair et 200 de blanc. Voilà, deux blancs, pardon. Alors, je vais d'abord les ranger comme d'habitude. Du bruit. Alors, ce kit, alors j'aime bien la toile est un peu brillante. Voilà le dessin, un joli papillon avec des jolies jonquilles et des petites fleurs violettes. Super joli, donc pas abîmé du tout, pas de rivière. Et, voilà, je vous montre la pression et au niveau de la colle, pas de problème. Pour le premier kit. Le second. Alors, c'est un 40-50, donc toujours pas. Pareil, ce petit kit, il y a 22 couleurs, donc les couleurs, les perles, là sont des perles carrées, voilà, en chapelet toujours.
il y a du noir. Alors, un noir, deux noirs, trois noirs, quatre noirs, cinq noirs. Et voilà les autres couleurs. Le rouge, du jaune, du orange, du vert foncé, du bleu, du beige, du vert et du marron. Et pour la deuxième, marron, plusieurs sortes de marron, du bleu, du rouge, du rose, un bleu et un rouge. Voilà. Désolée pour le bruit, hein. Je peux pas faire trop sans le bruit. Voilà. Alors, dans ce sens-là. Et ici, donc je vous remettrai les images hein, comme d'habitude. Voilà. Un joli hibou tout multicolore. Donc, comme je l'ai dit, en plein carré, un plein. 40-50. Voilà. Donc, pareil. Niveau colle, il n'y a aucun problème. Et je vous montre l'impression. Voyez. Et si vous voyez, la toile brille un peu. Voilà, ça c'était la deuxième. La troisième. Alors, c'est une 40-50 également. Donc, on a toujours notre petit kit. Ah, ici, on a les perles rondes, mais elles sont dans des sachets zippés. Voilà, ce qui vous permet de remettre vos perles directement dans les sachets quand vous l'avez terminé. Donc, la taille, je vous ai dit 40-50 et il y a 22 couleurs. Voilà. Joli bleu. Bon là, quand vous les rangerez, pour quand vous aurez fini, comme il n'y a pas la référence couleur dessus,
Vous remettrez juste des petites étiquettes sur les sachets pour avoir vos références DMC. Comme ça, pour un prochain kit, vous savez la couleur, à quelle couleur ça correspond. Voilà, il y a une jolie couleur aussi hein, sur celui-là. Qui se promène. On va la mettre là. Et voilà. Et ici, donc, voilà le dessin. Un joli un visage de femme avec un papillon dans son œil. Voilà. Très joli aussi. Hein. J'aime beaucoup. Pareil, hein, j'ai oublié de vous montrer, mais c'est toujours la même qualité, il n'y a pas de souci. Voyez. Les toiles sont très de bonne qualité, hein, en tout cas. J'ai mis un. C'est mon sachet. Et le dernier. Ah, là, le kit est un peu différent. Voilà. Vous avez là, le petit plateau avec le petit bec. Voilà. Hop. Petit plateau avec le petit bec, le stylet avec d'un côté pour mettre 5 perles, vous avez un rajout pour mettre voilà, 10 perles ici, et bien sûr de l'autre côté une perle, et vous avez une petite pince, mais ces pinces là, bon, c'est pas top top, hein. Elles sont pas assez dures. Donc ici ce sont des perles carrées et également en sachets zippés. Là par contre les références sont notées sur les sachets. Et ici nous avons 35 couleurs et le kit est un 40-40. Alors on a d'abord un gros sachet de turquoise, comme ceci. Il y a les références sur les sachets là. Il y a beaucoup de couleurs, hein.
j'avais dit, hein, 35 couleurs. Donc ce sont des kits que j'ai reçus aussi assez rapidement, hein, une quinzaine de jours. Voilà, je ne vous avais pas dit au début. Un petit gros paquet. On arrive au bout. Et voilà. Alors, on va les ranger. Voilà, alors celui-ci, alors je les aime tous, mais c'est vrai que celui-ci a une petite préférence pour moi. Voilà, une petite fée en forme d'indienne. Toute jolie. Donc c'est un 40-40. La toile me paraît un tout petit peu plus fine que celui-ci, mais bon, ça n'a pas grande importance. Voilà. L'impression est à la colle, c'est toujours parfait. Donc voilà pour aujourd'hui les 4 kits donc, que je vous présentais. Donc je rappelle la boutique, c'est DIY Shoes. Voilà. Donc je vais vous remettre en barre d'infos donc le lien de la boutique, le lien des 4 kits si jamais ça vous intéresse. Là vous avez vu pour une, ce sont des kits un tout petit peu plus grand et bon là que d'habitude, bon malgré que ce sont, on va dire que c'est des kits moyens, voilà. Là bon, ce sont tous des kits pleins, donc il y a des perles rondes, il y a des perles carrées, voilà, j'ai choisi, j'ai fait un mélange cette fois-ci dans mon choix. J'espère que vous trouvez mon choix joli. Bon, souvent, vous aimez bien ce que je choisis, hein, dans les boutiques. Donc, voilà pour aujourd'hui, pour cette boutique. Donc, je vous rappelle le nom de la boutique DIY Shoes. Et nous, on se retrouvera très rapidement, donc maintenant, pour une nouvelle vidéo, de nouvelles aventures et plein de belles choses, comme d'habitude. À bientôt, bisous bisous.